Oh, mais bonjour, monsieur dragon. Plutôt mignon pour un quadrupède. J'aimerais bien te faire visiter notre temple, mais des terraformeurs l'ont enfermé dans la pierre. Merci de m'avoir libéré. Il y a d'autres faunes enfermées dans la pierre. Quel bonheur d'être libre! Il ne reste plus qu'un faune à secourir. Doute m'aider. Mon ami s'est enfermé dans cette pièce et a perdu la clé. Et c'est vraiment dur de trouver un serrurier au milieu de la nuit. Oh, merci beaucoup d'avoir détruit cette porte pour moi. Je craignais d'être coincée là à jamais. J'ai trouvé ce bel orbe. Je te le donne. Maintenant que tu as secouru tous les faunes des collines de la faille, tu devrais explorer le temple.
ici, il disait. Je vais transformer tes bottes en or, il disait. Oh, salut Spiro, je suis content de te voir. Je te serai reconnaissant de trouver cet alchimiste. Il me doit un service. Je fais des expériences sur une nouvelle potion. J'aimerais bien l'essayer, mais avec les terraformeurs, difficile de sortir. Tu veux bien m'aider en m'escortant? Super! Éloigne de moi ces terraformeurs et j'apporterai cette potion à Chasseur. Je me sens déjà bien mieux. Tu veux prendre ceci en récompense? Pendant que tu es là, tu veux bien m'aider à calmer ces stupides terraformeurs? Très bien. Quand je tire sur un terraformeur avec une flèche, tu fais une charge de tête sur lui avant qu'il ne se relève. Souviens-toi, pour cela, tu dois sauter puis appuyer sur action. On fait une super équipe. Tiens, je voulais donner ça à l'alchimiste, mais je suis un peu fâché contre lui en ce moment. Petit dragon, tu t'attends sûrement à ce que je te dise que tu es un héros de sauver les filles en détresse comme moi? Désolée, mais non. J'étais ici que parce que j'aime la paix et le silence. Mais bon, les autres faunes veulent que je te donne ce talisman. Je suppose que tu es là pour la fête. J'ai peur qu'elle n'ait été annulée. Ces stupides terraformeurs ont rallumé le volcan. Regarde la grotte que j'ai trouvée. Jouons à un petit jeu. De temps en temps, un morceau de pop-corn cristallin jaillit du sol. Le premier qui en prend 10 a gagné.
tu as gagné. Voici un orbe. Je te donnerai un autre orbe si tu parviens à me battre. On monte à 15 cette fois. Tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant, prends cet orbe. Tu l'as mérité. Meilleur client. Dans la pièce suivante, un ascenseur peut te conduire au volcan. Tu peux avoir un accès illimité à l'ascenseur. Contre quelques gemmes. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Monte dans l'ascenseur et il te conduira jusqu'en bas. Quand tu voudras revenir, monte de nouveau dedans. D'avoir fermé le couvercle du volcan, Spyro. Il commençait à faire un peu trop chaud. Tiens, voici un talisman que je gardais pour la célébration. Je crois que tu le mérites.
tu arrives juste à temps pour la fête. Enfin, ce serait le cas si ces horribles monstres de lave n'avaient pas volé nos chapeaux. Sans chapeau, les fêtes sont tristes ou nettes. A été mélangé aux apéritifs et j'ai failli me casser une dent dessus. J'essaie de cueillir un fruit sur ce buisson de baies magiques, mais je ne suis pas assez fort. Si tu charges ou enflammes le buisson, une de ces bonnes baies devrait tomber. Yeah.
m'aider à atteindre le grand buisson. Désormais, nous pourrons tout le temps manger des baies. Tiens, voici un cadeau de nous tous, les hippos. Spiro, trois voleurs ont dérobé nos lampes en cuivre magique. Retrouve nos lampes avant qu'ils ne les emportent loin de l'oasis ombragée. Magique. Tiens, prends cette orbe. Une fée l'a laissée pour moi, mais il ne brille pas assez à mon goût. Mes huit frères sont piégés dans la roche et ils couleront si tu ne parviens pas à les libérer. Fais une charge de tête sur les rochers en sautant, puis en appuyant sur action. Suis-moi. Suis-moi. Et souviens-toi, saute et appuie sur action pour faire une charge de tête. Je n'ai que ce truc-là à te donner. Au moins, c'est pas un rocher. Travail, Spiro. Tu me sembles prêt pour un défi plus important. Que dirais-tu d'un peu de parapente? Tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas? Super! Je vais te tracter derrière mon autoneige et tu manœuvreras à travers les anneaux. Si tu en rates, nous devrons tout recommencer. Thank you.
Félicitations, Spyro. Tu es encore meilleur que moi. Bravo, Spyro. Maintenant que tu as les 14 talismans, ton guide peut forcer la serrure et tu peux combattre Gulp. T'es prêt? Tu vas devoir sauter dans le trou du sol pour rejoindre Ripto et Gulp. Je peux te donner un petit coup de main. J'ai apprivoisé des ptérodactyles de la terre de Skelos. Ils lâcheront des objets qui t'aideront à combattre Gulp. Gulp, Avalar, nous appartient enfin. Tu as mérité une récompense spéciale. Gulp, qu'est-ce qu'il y a? Oh, la fée, c'est parti. Tu as cramé ma cape! Dragon, tu commences vraiment à beaucoup m'agacer! Au revoir, gueule de flamme! Gulp? À table! Gulp, achète-le et tu auras toutes les fées que tu voudras! Ça va beaucoup m'amuser! Tu as réussi! Wow! Et Laura, d'où est-ce que tu sors? J'étais pas loin du château des plaines automnales. Le château est de nouveau libre! Il n'y a aucun signe de Ripto. Et comme tu n'as pas chômé, les créatures d'Avalar commencent à bien s'entendre. Comme tu as beaucoup fait pour Avalar, et comme je sais que tu aimerais prendre des vacances, nous avons décidé de faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu aimeras. Oh, waouh, c'est génial! Tu ne te joins pas à moi? Ah, non. J'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale. Il essaie de réparer le super portail pour te renvoyer chez toi. Oh, ça me paraît intéressant. Je pense que je vais rester là un moment et me faire bronzer. Hé, où est allée Laura? Je ferais mieux de la suivre. Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen d'accéder au monde des dragons depuis le super portail. Ce cristal de puissance devrait nous donner l'énergie requise. Encore une poignée de calcul pour tout configurer. Je crois que j'y suis. Excellent! Ça y est, tout est enfin prêt. Il va nous falloir beaucoup plus d'orbes, mais avec l'aide du cristal de puissance, le super portail devrait fonctionner. Oh! Ah! Ah! Alors, vous pensiez être débarrassé de moi? Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai persuadé ce gros lard de Richard de me vendre quelques bombes. Vite, le cristal de puissance! N'essaie même pas, l'intello, ou tu seras le tas de cendres le plus malin du coin. C'est exactement le nouveau sceptre que je voulais. Chasseur, fais quelque chose, vite! Hey! Rends-nous ça! Bon, j'ai essayé. Bande d'imbéciles! Quand je vous aurai détruit avec mon nouveau sceptre, je vais rebaptiser cet endroit Riptonia!